Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto. Alors ça c'est un tuto un peu particulier parce que ça va aider beaucoup de personnes je pense. Donc c'est un tuto Minecraft, comment créer un serveur Minecraft. Donc tout simplement, moi je l'ai construit en 5 minutes. Donc déjà on va se rendre sur Google pour télécharger. De toute façon, je sais pas si vous devez connaître le lien minecraft.net d'habitude. De toute façon, vous avez juste à suivre tout ce que je fais et vous allez y arriver, vous allez voir. Donc, vous allez commencer à faire minecraft.net. Vous allez sur le premier lien qui écrit que Minecraft. Donc, vous allez sur le site de Minecraft, voilà. Vous avez toute une grande page, tout et tout et tout. Donc maintenant vous allez dans Download, là vous voyez petit truc, c'est écrit in browser et Download. Vous cliquez sur Download. Voilà, ça va mettre la page là. Là il y aura Minecraft for Windows et Multiplayer Server. Vous avez deux choix. Moi j'ai toujours pris celui-là. Vous allez cliquer sur Minecraft server.x802. Donc vous allez enregistrer le fichier. Donc voilà, il va s'installer. Moi mon serveur il est ici. Si vous voyez Craft Bucket c'est pour les plugins mais j'en ai pas besoin en fait, vous n'avez pas besoin. Si vous voulez un serveur pour jouer à deux entre potes, c'est comme le mien, ça peut être sympa. Donc voilà. Une fois qu'on a compris, on peut le faire sans rien du tout le serveur. Voilà, on va attendre que ça télécharge entièrement. Voilà, quand ça, le téléchargement sera fini, vous aurez juste à éteindre Internet. Tout simplement. Donc moi, je reviens à mon serveur. Il sera pas ouvert 24 sur 24. Je vous rassure. Enfin, je peux toujours l'ouvrir. Voilà une petite annonce. Donc une fois que le téléchargement est fini, vous éteignez. Je vais aller sur mes documents. Téléchargement. Donc là, vous voyez, j'ai téléchargé le Minecraft serveur. Vous allez le glisser sur votre bureau, vous allez faire maintenant, hop, clic droit, nouveau dossier, et vous allez faire serveur Minecraft. Une fois cela fait, vous allez l'ouvrir, vous allez mettre votre Minecraft serveur dedans. Vous allez ouvrir Minecraft serveur, vous faites hop, exécuter. Donc ça vous offre une petite page blanche de Java. Donc moi je sais pas si ça va fonctionner parce que j'ai un autre serveur, mais on va en créer un deuxième. Hein. Donc voilà, là il faut laisser le temps en train de s'installer, vous voyez, 8%, 11%, 15%. Et ils sont en train d'installer, voilà. Maintenant d'un coup, boum, vous avez tout ça. Donc pour... Alors, 2 secondes. Oui! Oh, excusez-moi pour ça, un peu je l'avais dit. Vous allez sur OP. OP c'est pour que vous soyez l'administrateur de votre serveur. Donc vous marquez votre pseudo, moi c'est gamer du 63. Vous faites atteindre, enregistrer. Donc c'est ce petit truc qui va vous intéresser un peu plus, vous allez l'ouvrir. Donc je vais le mettre en grand. Voilà. Donc vous avez tout ça. Donc général setting, vous touchez à rien. Level. C'est le nom de votre serveur, enfin du monde de votre serveur. Donc par exemple, on va l'appeler main game. Voilà, par exemple, main game. Les ports, c'est très important là. Alors c'est le serveur IP. Pour ça, il vous faudra Hamachi, login Hamachi. Là, vous voyez, vous avez un IP 25, 77, 73, 30. C'est mon IP à moi, vous n'aurez rien d'autre. Donc vous allez cliquer dessus, copier adresse IPv4. Et vous allez faire cela à clic droit, coller. Voilà, maintenant vous laissez. Donc spawn NCP vous laissez, whitelist vous la mettez. Si vous voulez que vous une whitelist vous laissez en false, si vous en voulez pas, vous mettez. Non, si vous n'en voulez pas, vous mettez false, si vous en voulez une, vous mettez true. Moi je vais faire false. Hardoc false. Alors en ligne mode, il faut mettre false là, à tous les coups.
C'est pour la version officielle. C'est comme la version officielle, ils font all mode tru. Donc PVP, tru, si vous voulez. Game mode, c'est pour être modo. On va en mettre un, ça va être moi. Max de player, moi je vous conseille comme moi au début 7. Et là vous allez appeler votre ça. Là il faut bien retenir là. Vous retenez très très bien votre nom. On va l'appeler Main Game. Maintenant que vous avez fait tout ça, vous allez faire éteindre, enregistrer. Donc voilà, votre monde a été chargé là. Vous allez éteindre ça. Encore en vrai, je n'ai pas besoin moi. Maintenant, un truc très important, vous allez dans panneau de configuration. Voilà tout ça. Vous allez dans les pare-feu là, le petit mur avec la terre à côté. Vous cliquez dessus. Vous allez sur paramètres avancés. Bon, voilà, c'est long pour faire le paramètre avancé. Voilà. Vous avez ça. Maintenant, vous allez dans règles de trafic entrant. Voilà. Vous avez tout ça. Mais vous allez sur nouvelles règles ici. Vous cliquez dessus. Vous allez sur port. Suivant. Et là, il faut retenir 2, 5, 5, 6, 5. Ça va être la même chose pour vous. Faites suivant, suivant, suivant. Et là, c'est Main Games. Mon serveur. Hein. Faites terminer. Vous ouvrez une nouvelle onglet encore. Règles, règles. Vous allez sur port, suivant. Et UDP, vous allez maintenant. Et vous faites 2, 5, 5, 6, 5. Suivant, suivant. Suivant et main games terminé. Donc vous avez terminé pour ça, vous avez tout fermé. Maintenant on va ouvrir notre serveur. Donc vous vous rendez sur Minecraft. Voilà, vous allez ouvrir Minecraft serveur. Si ça fonctionne pas, c'est normal, c'est qu'en fait j'ai deux serveurs. C'est normal. Voilà. Je suis en mode créative parce que je suis OP. Mais on peut changer. 1, 20, 48, 75, 96. Voilà, votre serveur est enfin ouvert. Non, c'est Minecraft qui va vous intéresser. Vous pouvez fermer aussi. Non. Par contre, il faudra retenir ça. J'ai un autre texture pack, c'est pour ça que ça rame. Je parle un peu trop vite, j'ai l'impression. J'espère que ça va aller pour la vidéo. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas, c'est long parce que j'ai un texture pack. Voilà, allez, dépêche-toi! Voilà. Donc voilà, vous voyez que là, il est... Voilà. C'est main game. Ici, voilà, vous faites... Vous cliquez dessus, vous faites copier l'adresse, mais pas... Faites CTRL V, Down. Voilà, vous avez le même serveur, c'est le serveur que j'ai ouvert. Voilà, vous avez votre serveur ouvert, vous cliquez dessus. C'est pas celui-là qui est ouvert, hein, c'est celui que je viens de créer avec vous. Et voilà, vous arrivez dans votre tout nouveau monde. Voilà, tout nouveau monde de Minecraft. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura avancé pour créer un serveur. Donc, je vais mettre normal. On va éteindre Minecraft. Mais par contre, il faut que vous ayez ça ouvert à tous les coups. Sinon, ça marche pas. C'est pour fermer le serveur. Par exemple, je vais vous montrer. Voilà. Multiplayer, votre serveur est ouvert. On va en effacer un. Vous faites Java. Fermez. Vous avez fermé Java et là vous avez cliqué dessus serveur close. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu les amis, même beaucoup avancé hein. Donc je vais l'effacer moi puisque j'ai le mien. Donc je vais vous dire salut à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo de tuto ou d'aventure. Allez, bye bye tout le monde, bye bye.